Bonjour et bienvenue au Forum des associations 2021 de Maussade les Alpilles. Retrouvons quelques associations du village pour une petite présentation. Bonjour, c'est Marie de l'APEMA, de l'association des parents enfants de Maussade. On propose des activités ponctuellement pour les parents et pour les enfants. Alors traditionnellement, on a le ciné-goûter avant chaque vacances scolaires. On va essayer cette année de faire le carnaval. Pourquoi pas une kermesse? On envisage aussi de faire des ateliers sur la parentalité. Donc on a besoin de parents qui veulent avoir des outils pour que ça se passe bien avec nos enfants, en fait, tout simplement. Et cette année, depuis l'année dernière plus exactement, on chapeaute aussi l'association Spectacular qui permet d'avoir une antenne à Maussade. Je laisse la parole à Monsieur Bagou. Bonjour à tous, donc voilà, Gilles Bagou, certains me connaissent parce que j'étais maître à l'école. Et je représente cette année, comme l'année dernière, le chœur Spectacular. Un chœur d'enfants, mais aussi d'adultes, pour les adultes intéressés. Mais le chœur d'enfants, c'est sur Maussade que ça se passe. Et c'est pour les enfants âgés de 8 à 14 ans qui aiment chanter, qui ne connaissent pas forcément la musique, mais qui ont envie de s'éclater tous en groupe et d'apprendre à chanter à plusieurs voix, en polyphonie, en canon, etc. Donc ça se passe le mercredi, a priori de 15h à 16h, mais les horaires peuvent être un peu modifiables. Pour le moment, à la salle de la mairie. Et puis après, peut-être que le lieu va se modifier, mais pour le moment, on commence dès ce mercredi-là, donc le 8 septembre, à 15h, devant la mairie, on se donne rendez-vous pour une première prise de contact. Et puis voilà, des premières notes à chanter tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Alors, nous sommes l'association Éveillez-nous, qui est une association d'accompagnement à la parentalité. Nous organisons tous les vendredis matins de 11h30, de 9h30 à 11h30, des accueils parents-enfants. C'est des moments d'échange, de partage avec les enfants qui ont entre 0 et 4 ans. On organise également tout au long de l'année des ateliers à thème sur des thèmes comme Montessori, la sensibilisation au handicap. Il y a également possibilité d'ateliers de portage. Et nous avons cette année aussi des ateliers de sophrologie parents-enfants, des enfants de 0, de 2 à 4 ans à peu près. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour Bernard, tu peux nous présenter l'association de judo de Maussade, s'il te plaît? Bien sûr, bonjour à tous et à toutes. Alors Maussade les Alpilles existe depuis pas mal d'années. Nous prenons les enfants de 4 ans, à partir de 4 ans. L'activité consiste à faire un éveil d'abord, un éveil de judo. Et surtout, un relais avec les parents par rapport à l'éducation, c'est-à-dire le respect, le bien-être. Bien se tenir sur le tatami, bien se tenir dans la vie, voilà, tout simplement. Venez, on vous attend avec impatience. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que... On reprend le 14 septembre, à partir de 17h, pour les petits, et ainsi de suite. 17, voilà, si vous avez la fiche des horaires, voici. Donc le mardi et le jeudi. Hein, mardi et jeudi, voilà. Après 17h. Voilà. Jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. Pour les adultes. Pour les adultes. Merci voilà. Beaucoup. De rien, merci. Bonjour le Sentier des Alpilles. Alors en quoi consiste cette association? Madame Franju, bonjour. Bonjour, c'est une association de marche. Nous faisons des marches régulières toutes les semaines, les après-midi, le mardi après-midi dans les Alpilles, qui nous donne l'occasion de découvrir plein de paysages différents, également la montagne. Et tous les 15 jours, nous organisons une sortie à la journée dans les paysages environnants, le Luberon, on va dans le Gard, on va aussi dans le Mont Ventoux. Et on organise également des séjours de 3-4 jours où on va en Auvergne, dans les Pyrénées, dans les Alpes, par plus petits groupes. Et on fait ça au moins 2 fois par an également. Voilà. Comment on fait pour s'inscrire? On a un site qui est dans le livre des associations de la mairie. On est aussi sur le site de la mairie. Donc moi, je vous incite à aller regarder le site parce qu'il est bien fait. On en est assez fiers.
et ils donnent vraiment toutes les précisions et puis il y a des photos pour montrer un peu l'ambiance. Voilà. On est affilié à la Fédération française de randonnée pédestre et on demande effectivement, et on le fait pour eux, à nos adhérents d'être licenciés. Voilà. Merci beaucoup. Alors, l'association Contretemps, bonjour. En quoi consiste votre association? Alors, l'association à Contretemps est une nouvelle association qui va commencer là cette année, en mois de septembre. C'est une association de danse moderne jazz qui est à destination des enfants à partir de 4 ans et sans limite d'âge, donc jusqu'aux adultes, voilà, sans limite d'âge. Nous serons à la salle Agora les lundis soirs et à la salle Jean Favier les mercredis après-midi et les vendredis soirs. Vous pouvez retrouver nos informations avec les horaires, etc. sur le livret des associations de Roussane ou sur notre page Facebook et Instagram sur lesquelles on publie souvent les informations, tous les changements nécessaires, etc. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. L'association Shakti, bonjour. Alors, en quoi consiste votre association? Alors, l'association consiste à promouvoir le yoga traditionnel et tout ce qui est les disciplines associées au yoga, telles que le stretching postural, le pilates également. Donc, dans les salles de l'Agora de Mossane-les-Alpilles, nous avons surtout des cours du matin. Donc, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi et le soir, c'est le mercredi et le vendredi soir, un par mois, c'est du yoga. Donc, l'association a aussi fait le choix jusqu'au mois de novembre de faire des cours en double. Voilà, donc voilà, on va filmer ici des cours en double. Les cours en double consistent à faire du présentiel et du distanciel pour permettre à tout le monde de pratiquer. Un passe ou pas passe, sans dire le mot, voilà, sans discriminer les gens. Jeanne, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton association Laris Contre, s'il te plaît? Alors, Laris Contre fait partie de l'ES13, c'est un truc unique en France et peut-être au monde, qui regroupe sur les Bouches-du-Rhône tous les retraités à partir de 55 ans. Alors on fait de tout. On fait des jeux, on fait de la broderie, on fait beaucoup de voyages, on fait des repas, on danse. Enfin, tout ce qu'on peut faire à partir de 55 ans jusqu'à 96 dans ma tête, ma dernière. Et on serait ravis de vous avoir, bien sûr. Ça se passe quand ? Ça se passe tous les jours, mais en particulier pour venir voir comment ça se passe surtout. Le jeudi après-midi, dans la salle magnifique Agora, que nous occupons en bas, là, à côté des jeunes. Comment on fait pour vous contacter, du coup? Eh bien, on se retrouve sur ES13, sur YouTube, sur Facebook, où on me contacte, où on demande à la mairie, et si quelqu'un veut mon numéro de téléphone, je peux le donner là tout de suite, 06 12 12 40 19. Merci et je m'appelle Jeanne. Merci beaucoup, Jeanne. À bientôt. Société de lecture, bonjour. Vous pouvez nous en dire plus sur votre association, s'il vous plaît? Eh bien, nous sommes une association de passionnés de mots et de livres. Nous nous réunissons une fois par mois, tous les derniers mardis du mois. Et notre but, c'est de préparer des séances de lecture publique deux fois par an, deux, trois fois par an, sur des thèmes que nous avons choisis et que nous avons préparés. Donc, on prépare ces lectures à partir de thèmes donc choisis en commun. Nous recherchons des textes, nous les présentons à nos réunions, nous mettons en place les textes que nous allons retenir et on prépare ces lectures de 2-3 minutes sur chaque texte. Et nous présentons ça deux fois par an dans le cadre de lectures publiques auxquelles nous invitons les Mossanais. Et cette préparation se fait généralement sans prétention, dans l'échange, la bonne humeur, le plaisir de la rencontre. C'est le temps d'un partage et du plaisir, des mots. Comment on fait pour vous contacter? Et bien, pour me contacter, vous pouvez me contacter au 06 81 57 02 49. Vous pouvez parler aussi de cette association à la médiathèque
avec laquelle nous travaillons. On a des liens communs, notamment pour la préparation de ces lectures publiques. Donc elle est à même de vous donner des informations. Mais vous nous contactez par téléphone quand vous voulez. Très bien, merci beaucoup. Le Souvenir Français, bonjour. Alors en quoi consiste cette association ? Cette association elle consiste à représenter ceux qui sont morts pour la France. On est également pour l'entretien des tombes, le nettoyage. Et nous sommes en train de recruter du monde pour pouvoir agrandir notre association. Car ce souvenir est inoubliable. On ne peut pas oublier tous ces jeunes qui sont partis, qui sont morts pour la France en 1914, 18, 39, 45, la guerre d'Algérie. C'est affreux de les abandonner, c'est dommage. Ça nous prend les tripes, c'est pour ça que nous conservons cette association qui est formidable, le Souvenir Français. Alors comment fait-on pour vous contacter ? Eh bien, nous voyons avec Madame Charlet qui habite tout près d'ici, à Mossane, qui est la présidente du Souvenir Français. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Spécial senior. Chaque épaule. Croise derrière. Mistral Academy, alors bonjour, qu'est-ce que c'est Mistral Academy ? Mistral Academy, cette année, ne fera que de la Zumba, mais pour tous les âges. C'est-à-dire qu'on va faire des petits de 3-4 ans jusqu'aux seniors. Donc voilà, choisissez votre cours. Bon, et quand est-ce que ça se passe ? Ça sera pour les seniors le mercredi à 10h30. Ensuite, à la salle Fabier, le jeudi, c'est pour Soirée Kids. De 7-8 ans, ici à la salle Agora. Ça suit à 19h et 20h le cours fitness adulte. Il y a aussi le mercredi pour les tout petits, 3 ans, 3-4 ans, le mercredi après-midi. Et un cours ado aussi le mercredi. Donc ça, c'est 15h30 et 16h30. Voilà, joie et bonne humeur, sourire, fitness, et on y croit. Merci beaucoup. Zumba love. Coup de théâtre, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur votre association, s'il vous plaît ? Alors, Coup de théâtre est une association de théâtre pour les adultes. Nous voyons le mercredi soir de 19h à 21h à la salle municipale de Mossane. Donc, c'est un cours où on va apprendre à faire de l'improvisation, à s'échauffer, à utiliser son corps, à utiliser sa voix. Et ensuite, à la fin de l'année, on va faire une représentation de théâtre directement à la salle Agora. Très bien, merci. Comment on fait pour vous contacter ? Alors, on peut me contacter sur mon numéro de téléphone qui est le 06 27 06 72 25 ou sur notre page Facebook ou alors à ma boîte mail qui est gelceline@gmail.com. Merci beaucoup. Et il ne faut pas oublier le cours du mercredi 8 qui est un cours offert pour tester le théâtre. Très bien, merci beaucoup. L'association des enfants des Alpilles, bonjour. Alors, en quoi consiste cette association ? Alors, l'association, il gère le centre de loisirs de Mossane. Plus particulièrement, donc on accueille des enfants de 3 jusqu'à 11 ans. Et en même temps, on propose aussi des séjours, deux dans l'année. Un séjour l'hiver, au mois de février, c'est un séjour à la neige qu'on propose. Et un séjour l'été, au mois de juillet-août, de 8 jours aussi. Généralement, on va en Ardèche, on amène entre 20 et 30 enfants. Très bien. Comment on fait pour vous contacter ? Alors, pour nous contacter, on peut contacter Valérie, soit par mail ou soit par téléphone, au 06... 06 23 14 65. Voilà. On retrouvera les coordonnées de toute façon sur le livret des associations. Livret des associations. Sur le site de la mairie. Voilà. Je vous remercie. De rien. Merci Guillaume. L'ESBB, bonjour. En quoi consiste votre association, Michel ? Bonjour. Bonjour, donc l'association l'ESVB, c'est l'étoile sportive de la Vallée des Beaux, où le but de cette association, c'est de proposer du football aux enfants du village, et éventuellement des seniors s'ils veulent continuer une activité sportive. Donc on accueille les petits de 5 ans à 13 ans,
Voilà, avec des éducateurs qui sont diplômés d'État, et on essaie de leur donner la pédagogie qui va bien avec pour leur initier le football au niveau d'un village. Voilà, on n'est pas là pour faire de l'élite, mais on est là pour promouvoir le football au niveau du village de Mossan-les-Alpilles. Merci. Très bien, merci beaucoup. Le CCFF de Mossan-les-Alpilles, bonjour. En quoi consiste votre association ? Nous sommes venus pour présenter notre activité, pour qu'on soit plus connu. En fait, il s'agit de prévenir tout départ de feu sur les Alpilles et puis participer à la prévention de l'espace naturel. Nous cherchons des volontaires. Tout le monde est le bienvenu sur notre stand pour venir nous découvrir et puis éventuellement en savoir plus et s'inscrire. Comment on fait pour vous contacter ? Alors nous avons un site internet, le comité feu de Mossan-les-Alpilles, et à partir de la page contact, vous pouvez nous joindre. Et puis sinon, nous avons un local en mairie, bien sûr, à travers le premier adjoint de l'équipe communale. Et puis parfois, vous pouvez nous rencontrer à notre local qui est place du marché. Merci beaucoup. La Sainte-Éloi, bonjour. Clap, première. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre association, monsieur Moukadel ? Alors bonjour. La Sainte-Éloi, c'est une association qui a été créée en 1988 par nos anciens dans le village. Le but était de promouvoir un petit peu toutes les traditions et de remettre au bout du jour la fête de la Sainte-Éloi, qui était une fête très réputée à l'ancien temps, à l'avant-guerre. À la guerre, ça s'est un petit peu perdu parce que tous les chevaux sont partis un petit peu, ont été décimés. Donc, la Sainte-Éloi s'est arrêtée en 1940 à peu près et on l'a remis au bout du jour en 88. Et en quoi consiste la Sainte-Éloi ? La Sainte-Éloi aujourd'hui, ça sert à promouvoir tout ce qui est tradition, anciens métiers et tout le patrimoine que nos anciens nous ont légué. Et cette année, on compte travailler un petit peu plus avec les écoles pour faire découvrir ça à la jeune génération et faire en sorte que ça ne tombe pas aux oubliettes. Donc concrètement, voilà. Sur le terrain, qu'est-ce qui se passe ? Alors on organise une grosse fête chaque année, le deuxième week-end de juin, où on fait un énorme défilé avec des chevaux de trait, des personnes costumées, des vieux métiers. Et le reste de l'année, on fait des ateliers où on confectionne des harnachements de chevaux. On se réunit pour faire des bouquets de blé, pour faire vivre un petit peu tous ces vieux métiers qui se sont perdus. Voilà. Et comment on fait pour vous contacter du coup ? Alors, vous pouvez nous contacter auprès de la mairie, ou alors, le siège social est à la mairie, ou alors vous pouvez nous contacter directement sur l'adresse mail qui est société saint-éloi-mossan@gmail.com. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. L'association Terre des Beaux d'hier à aujourd'hui, bonjour. Quoi consiste votre association ? C'est une association qui propose de découvrir le patrimoine de Mossan, de Paradou et des Beaux, et puis de la région environnante. Nous organisons des activités, des conférences, des visites de sites, des animations. Et si vous aimez l'histoire et si vous aimez visiter votre patrimoine, eh bien rejoignez-nous, nous vous ferons plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Association Le Gymnase, bonjour. En quoi consiste cette association ? Donc Le Gymnase est une petite association moussanaise qui a plus de 20 ans d'existence. Elle propose des cours de gym adultes aux personnes de tout âge, que ce soit les hommes, les femmes. Nous avons différentes activités au programme, gym douce, renforcement musculaire, pilates, du HIIT. L'objectif de notre association étant de permettre aux adhérents de se maintenir en forme ou de retrouver la forme, et toujours dans le respect de ses capacités, de ses possibilités. D'accord. Comment on fait pour vous contacter ? Alors vous pouvez nous contacter par notre boîte mail, legymnase.moussan@gmail.com, ou par téléphone au 06 78 59 55 50. Merci beaucoup. Orlac, bonjour. En quoi consiste votre association ? Alors l'association consiste à proposer des cours de langue, italien, anglais, des conversations, à faire des visites de musées et proposer des voyages. Très bien. Comment on fait pour vous contacter ? Alors nous avons une adresse email, n.weiss@orange.fr, et un téléphone, je voudrais donner celui d'Alexandre, 06 77 99 32 61. Très bien, merci beaucoup. L'association de karaté de Mossan-les-Alpilles, bonjour. Bonjour.
En quoi consiste votre association ? Alors, notre association qui est présente sur Mossan depuis une bonne vingtaine d'années, c'est développer la pratique du karaté traditionnel et sportive pour les enfants et pour les adultes. Donc, les cours enfants sont le lundi et le mercredi de 17h30 à 18h30. Non, de 18h à 19h, pardon. Et pour les adultes, le lundi et le mercredi de 19h à 20h30. Pour les enfants, l'âge limite, c'est 7 ans. Et pour les adultes, il n'y a pas d'âge limite. C'est donc de 15 ans à 77 ans. Voilà. Toujours dans le même esprit familial qui est le nôtre depuis longtemps. Ceux qui veulent faire de la compétition, on les accompagne dans la compétition. Ceux qui ne sont pas intéressés continuent une pratique traditionnelle, normale, à savoir une gymnastique du corps et de l'esprit. Très bien. Comment fait-on pour vous contacter ? Alors, pour nous contacter, vous avez donc un numéro de téléphone, le 06 22 20 28 45. Ou le mail kgreria@fruits.fr. Très bien, merci beaucoup. Merci. L'association des boules de Mossan les Alpies, bonjour. Bonjour. En quoi consiste votre association ? Alors, c'est une association, c'est la boule ovale de la vallée des Pots. C'est une association qui regroupe les trois villages, Mossan, Paradoule et Beau. Et nous faisons des concours le mercredi après-midi. Alors, pour jouer à la pétanque, il faut une licence. La licence est obligatoire. Sinon, vous pouvez venir vous amuser les après-midi sur le terrain de boules. Il y a de plus en plus de monde. Il y a beaucoup d'estivants qui viennent s'exercer à la pétanque. Sinon, les concours, c'est le mercredi après-midi, le premier samedi du mois et le premier dimanche du mois. C'est une association qui marche très bien. Nous avions l'année passée 90 licenciés, plus à peu près 30 à 40 sociétaires. Donc c'est une bonne association. C'est une association familiale, bon enfant, où on s'amuse bien. Très bien, voilà. Comment fait-on pour vous contacter ? Alors, il faut venir au bureau le mercredi après-midi. La licence coûte 40 euros avec un certificat médical. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. L'association EHPAD de la Vallée des Vaux, bonjour. En quoi consiste votre association ? Alors, nous sommes les Racines, comme son nom l'indique. C'est une association qui œuvre pour les personnes très âgées qui sont à la maison de retraite. Nous sommes là pour améliorer leur quotidien. Okay. En faisant des... Ce que vous faites comme activité ? Alors, activité, il y a de la gymnastique, il y a... maintenant ils jouent aux boules, ils font du tricot, ils font énormément de choses, de la cuisine. Et voilà, donc on a une animatrice formidable et nous avons besoin de bénévoles, si c'était possible, qui amènent leur savoir-faire et leur aide auprès de nos anciens. Très bien, comment fait-on pour vous contacter ? Alors, c'est sur Internet. Hein. Alors, nous avons un site. Voilà. Nous avons un site de l'EHPAD. Alors, c'est EHPAD Vallée des Beaux. C'est un site Facebook. Et vous pouvez nous contacter, je suis l'animatrice Noël, au 04 90 54 58 70, du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Voilà, merci beaucoup. Merci. Le club de bridge de la Vallée des Beaux, bonjour. En quoi consiste votre association ? Bonjour, notre association consiste tout simplement à permettre à des gens qui le souhaitent de se retrouver pour jouer aux cartes. Voilà, les cartes étant un moyen qui favorise la mémoire, etc. Nous sommes donc tout un groupe et nous accueillons tous ceux qui souhaitent apprendre aussi à jouer au bridge. C'est un jeu de l'esprit. Voilà. Comment fait-on pour vous contacter ? Alors, pour nous contacter, vous avez plusieurs numéros de téléphone, dont le Jeanne Charlet, qui est pour le moment la vice-présidente, qui vous pouvez la contacter au 06 12
12 40 19. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi m'appeler. Moi, alors, je suis Catherine Sanzé, la présidente, au 06 13 40 90 81. Je vous informe tout simplement que le bridge s'adresse à toutes les personnes, quel que soit leur âge. Voilà. Si vous n'avez jamais joué, venez nous voir. Vous pouvez aussi vous inscrire pour des cours de débutants, des cours de perfectionnement. Voilà. L'année vient de commencer, mercredi 1er septembre. Nous vous accueillons le lundi et le mercredi à la salle municipale à partir de 14h. Très bien, merci voilà. beaucoup. On valide le Club des Alpilles, bonjour. En quoi consiste votre association ? Alors, notre association a démarré en 2014, donc c'est une école de rugby. Nous ne voulons pas développer les seniors parce qu'on préfère garder les petits. Nous attaquons le rugby à partir de 3 ans avec une section baby. Jusqu'au moins de 14 sur Mossan et Moriès. Nous avons créé une section cadet en entente avec Tarascon et une section junior pour donner l'avenir à nos petits. Nous aimons le rugby bonheur, comme on l'appelle, tout le monde joue, tout niveau joue, garçons, filles. Nous ne sommes pas là pour faire des professionnels, c'est vraiment pour l'amour du sport, et de tous les sports notamment. Voilà, c'est à peu près tout sur l'association. Nous sommes que des bénévoles. Comment on fait pour vous contacter ? Alors, pour nous contacter, nous avons le site internet d'Ovaliv. Donc, sinon, vous avez un numéro de téléphone, donc 06 95 38 73 29. Donc, je vous répondrai volontiers. Vous avez le livret d'association qui est bien rempli. Vous avez le site de la mairie. Nous avons aussi un Facebook, Ovaliv Club des Alpilles. Nous avons... toutes les mairies qui communiquent sur nos coordonnées, nos numéros et nos horaires. Très bien, voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, Misanu, bonjour. En quoi consiste votre association ? Alors, notre association, comme son nom l'indique, Art Misanu, c'est une association de dessinateurs qui travaille autour d'un modèle vivant. Alors, c'est une discipline qui est ancienne, mais qu'on peut renouveler avec différents supports. Elle concerne tous les dessinateurs, que ce soit des dessinateurs confirmés ou des amateurs. Ce qui nous réunit, c'est le plaisir de dessiner. Alors, on se réunit tous les lundis soirs à partir de 18h pour un atelier de 2h, salle de la mairie. Donc, la salle de la mairie, elle est, comme son nom l'indique, au rez-de-chaussée de la mairie de Mossan. Le contact, bien, vous le verrez sur le livret des associations. Je pense qu'il y a mon mail et mon numéro de téléphone. Mais de toute façon, vous pouvez venir aussi à la première séance. Donc, tous les lundis à 18h. La rentrée se fera le lundi 28 septembre. Les tarifs sont tout à fait raisonnables. Il y a une cotisation à l'association qui est de 20€. Et chaque séance coûte aux alentours de 5€. Enfin, elle dépend de la fréquentation. Et la participation est libre. C'est-à-dire qu'on se procure une carte de 10 séances, par exemple, et on vient évidemment quand on veut. Voilà, je pense que j'ai essayé de résumer. C'est parfait, merci. La Vallée des Beaux-Arts, bonjour. Colette, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre association ? Eh bien, écoutez, l'association, je pense qu'on la connaît un petit peu, puisque quand même elle a 10 ans d'âge. On est particulièrement attentionné à tout ce qui ressort de la danse, et on a quelques nouveautés chaque année, dont cette année, on a développé sur l'art-thérapie également. Voilà. Très bien. Vous faites des cours d'anglais aussi ? Il y a les cours d'anglais, il y a le théâtre. Et en danse ? Au départ classique, moderne, contemporain, maintenant on évolue vers le yoga danse, même sur le health danse, qui est les personnes qui veulent danser en talons hauts. Voilà, on fait du mieux possible pour que Mossan soit un vrai centre chorégraphique. Voilà, très bien. Le but. Comment fait-on pour vous contacter ? On fait le 06 37 44 43 39. Okay. Là où on consulte les documents développés par la mairie de Mossan. Ok, très bien, merci Colette. Merci. Si vous désirez d'autres informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la mairie de Mossan des Alpilles. Vous trouverez le guide de l'assos mossanaise avec toutes les coordonnées de toutes les associations de Mossan.
pouvez retrouver aussi toutes ces informations sur la page Facebook de l'Assos Mossanaise. Voilà, le forum des associations, c'est fini. À bientôt.